Bonjour, je m'appelle Marie-Christine, je suis infirmière aux cliniques de Saujon, où j'anime des ateliers de méditation et depuis plus de 10 ans, des séances d'euphonie gestuelle. L'euphonie gestuelle est une des nombreuses formes de yoga qui existent. Partout sur la Terre, des hommes, des femmes, des adultes, des enfants pratique l'une ou l'autre forme de yoga. En effet, le yoga apporte aux pratiquants le bien-être, l'énergie et l'équilibre qu'il peut ensuite introduire dans sa vie personnelle intérieure et dans ses relations aux autres. L'euphonie gestuelle, qui est une des formes de yoga enseignée à l'école des yogas et des méditations de l'Ermitage, est une méthode de yoga douce qui évite toute forme de contorsion. Et les mouvements que nous allons pratiquer ensemble redonnent de la souplesse aux articulations, détendent les muscles. Ils ont également une action sur les organes et les différents systèmes du corps. Et la musique qui accompagne ces mouvements potentialise les effets des exercices et harmonise également le psychisme. Je vous propose de pratiquer dans le respect de vos propres possibilités physiques, sans forcer, tout en douceur. Vous resterez concentré, attentif aux sensations du corps, dans les mouvements, attentif à la respiration qui est libre, attentif aux émotions qui se manifestent et aux pensées qui passent. C'est cet état d'attention qui apporte le calme, la paix, la sérénité. Ce temps de présence à soi, dans l'acceptation de ce qui est ici et maintenant. Je vous propose de pratiquer ensemble 10 minutes d'arcana majeur, un ensemble d'exercices qui agissent sur les différents systèmes du corps. Il vous suffit de trouver un espace où vous pourrez ouvrir les bras. On se place dans la position fondamentale. Pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin, genoux fléchis, dos droit. Menton rentré, bassin basculé, les fessiers légèrement vers l'arrière, le poids du corps sur l'avant des pieds. Premier arcana, la fontaine jaillissante. Premier chakra à la base du tronc. Deuxième chakra sous le nombril. Troisième chakra au niveau du plexus solaire. Quatrième chakra au niveau du cœur. Thank you.
cinquième chakra au niveau du larynx. Sixième chakra entre les sourcils. Septième chakra au sommet de la tête, on l'effleure à peine. Le roseau dans le vent. Hanche à gauche, tête épaule à droite. Rotation du buste vers l'avant, hanche à droite, tête épaule à gauche, on se retrait. Hanche à gauche, tête épaule à droite. Rotation, hanche à droite, on se retrait. Un mouvement continu, lent et régulier. Dans l'autre sens, hanche à droite, tête épaule à gauche, rotation du buste vers l'avant, hanche à gauche, tête épaule à droite, on se retrait, hanche à droite, rotation, hanche à gauche, retrait. Repasse par la verticale. Troisième arcana, la danse du bassin. Poids entrelacé derrière la nuque, coude vers l'avant. Hanche à gauche, bassin en arrière. Hanche à droite, bassin en avant. Gauche, arrière. Gauche, arrière, droite, avant. Gauche, arrière, droite, avant. Gauche, arrière, droite, avant. On se retrait dans l'autre sens. Hanche à droite. Bassin en arrière, hanche à gauche, bassin en avant, droite, arrière, gauche. Le haut du corps reste le plus immobile possible. Seul le bassin danse. Avant, on se redresse. L'étirement de la joie de vivre. Thank you.
et les étincelles de feu. À l'horizontale, regard posé sur la main droite. Rotation du buste, bras droit vers l'avant. Fléchis les bras. Main droite sur épaule gauche, main gauche sur omoplate droite. On se redresse, on déploie les bras avant-arrière, regard sur la main arrière, rotation. Fléchis légèrement les genoux, fléchis les bras, main gauche sur épaule droite, main droite sur omoplate gauche, se redresse. Regard sur la main arrière, rotation. Adresse. Rotation. Adresse. Rotation. Repasse par l'horizontale. Et on peut fermer les yeux. Se ressent dans sa verticale. Attentif à l'effet de ces mouvements sur soi, dans la curiosité de l'effet de ces mouvements sur soi, les sensations du corps, les émotions, les pensées. Qu'est-ce qui a changé? Je vous remercie pour ce temps de pratique ensemble. Je vous souhaite d'en tirer profit et je serai très heureuse de vous retrouver très prochainement. Prenez soin de vous et de vos proches.